Bonjour et bienvenue sur mon épisode 16 de mon let's play sur Lego Marvel Super Heroes 2. C'est long, c'est long. Alors la dernière fois j'avais fait New York noir, là j'ai eu le boss. J'ai réussi à faire tous les Stanley, plus Nowhere dans l'espace. Alors de mémoire il me reste très peu de choses. Three zones. Alors on va en attaquer une des trois, hein, on va voir. On verra bien. Allez, je charge et on attaque une des trois zones qui me manquent. C'est parti. Oula, qu'est-ce que c'est que ces personnages? Ah bah c'est Kraven, le personnage de Spider-Man 2, un des méchants. Perdons pas de temps. Poum. Ici votre glorie. Alors on attaque quoi? Je vais peut-être attaquer en l'air parce que ça m'évitera de faire des allers-retours. Ouais, on va faire là-haut. Et à première vue, il n'y a pas 3 milliards de choses à faire. Ouais. C'est parti, on va faire ça. Allez, hop, on remonte. C'est étrange qu'il n'y ait pas de voyage rapide. Et bon, on est en ligne droite là. Alors c'est à côté. Je ne sais pas qui en est l'instigateur, mais il y a encore du grabuge à ta porte. À toi de jouer. Ouais, on y est. Ah, faut Docteur Strange. Ça y est, ça commence les changements de personnage. Je sens que je vais vivre quelque chose d'étrange. Un carré. Ouh, dis donc. Même pour un sorcier suprême, il semble qu'il me reste encore beaucoup à apprendre. Voilà, on va continuer à faire ce que je peux faire avec lui. Maintenant, il faut l'autre avec sa voix. Et Captain America. Faites place! Le patriote au plan infaillible est là! Ah, c'est là. Alors c'est bien, c'est que il y en a certaines briques qui sont hyper rapides et puis d'autres sont hyper longues. Parfait. À mon avis, ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on va faire, je sais pas, on va faire un truc. Des fois ils étaient motivés en fait et d'autres fois non. Voilà, c'est la motivation est quand même assez aléatoire dans ce jeu là. C'est là-bas. Faut trouver une gamelle. Hop, j'ai trouvé pour Black Panther. Je dois protéger les miens dans ce nouveau monde étrange. Allez Black Panther, Blackie, allez Blackie! C'est incroyable les détours qui pouvaient pas aller en ligne droite. C'est trop calme. Voilà, maintenant c'est pour le clébard. Hop.
Hop, et il est costaud le clébard. Et là, il fait tout lui. Mais il fait tout ce chien. Manquerait plus qu'il vole. Et qu'il ait des rayons laser. On m'a dit que la famille royale s'est finalement directement chargée du problème cri à Allah. Hop. Bon bah voilà. Bon. La vie est belle. Alors, qu'est-ce qu'il me reste encore? Je suis où là? Alors, je vais déjà faire les... ces choses-là. Les énigmes, les... les pièces de puzzle. Mais vas-y! Ah, Lyon. On va aller voir lui là. Il va appuyer sur un bouton. Il a allumé le truc. Là. Et puis là, il me faut Captain Marvel America. J'ai pas vu le temps. Ah, bon, c'est pas grave. Quelqu'un ferait ça mieux que moi? Je pense pas, non. Bon, logiquement, ça devrait aller un peu mieux. J'ai ouvert toutes les axes. Hop, allez, vas-y, mon petit gars. C'était Auguste. Enfin, c'était juste. Bon bah encore une hein. Bah je suis d'accord avec toi Captain, on avance. Des suggestions sur le moyen d'améliorer Chronopolis peuvent les soumettre au grand gouffre entourant ma citadelle.
Hop, on éteint le feu. J'ai l'impression que votre idée est jetée dans les abysses. Je dispose en réalité d'un système hyper sophistiqué. Attends, je peux construire. Pour recueillir des données. À toi, mon gars. Bas. Haut. Voilà. Voilà, c'est ce que je dis, il y en a pour feignant et puis pour moins feignant. Mais là c'était le feignant, ça devait être le stagiaire qui a dû faire l'énigme. C'est dit bon, envie de me casser la tête. C'est trop calme. Ça me dit pas comment on fait. Les méchants ne nous laissent pas de répit. Tu peux te charger de l'incident auprès de toi? Ouais bah déjà, faut que je m'occupe de... Oui. Pas un interrupteur, Captain America. Ah, il y a un truc là-bas. C'est horrible. Reste calme. Je suis juste l'incroyable Spider-Man. Oui, bah saute, il me casse pas les pieds. Voilà. Ah non, pas elle. T'as trop hâte? Ou tu es croate? Bon, allez, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Le but, c'est de réussir le truc, pas de se casser la tête. Oh, il y a encore un truc à péter. C'est quand même long hein les gars. Là celui-là il est plus long. Mais c'est pas non plus une catastrophe. Alors j'ai vu que ce jeu-là avait été noté quand même 14 sur 20 sur jeuxvideo.com. Pourquoi ? Je lui aurais pas donné tant, tellement la maniabilité est terrible.
fait tort. Ma prochaine armure sera capable de gérer ce genre de choses. Non, j'ai dit tort. Rien ne peut arrêter Stingray. On s'en fout. Enfin, pas sous l'eau en tout cas. Oui, bah... Démarrage du processus de déstabilisation. L'alimentation principale a été... épuisée. Déploiement de l'alimentation de secours. Le saviez-vous, les modules d'alimentation secondaire d'Attilan ont un taux de réussite de 37,5%, soit la même probabilité qu'à un humain standard d'utiliser un ordinateur xandarien sans se blesser gravement. Les résultats peuvent varier. Et savoir comment c'est de l'autre côté, il va péter le machin. Les alimentations de secours d'Achillan émettent une fumée violette en cas d'échec. Suivi d'une explosion. Déploiement de l'alimentation de secours de secours. Ah. Oh, j'ai trop hâte. Allons-y. Eh bah, t'as mis le temps, mon gars. Mais c'est casse-pied. Oh là 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 là. Passer de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. C'est ça, leur... c'est pour faire une durée de vie, c'est ça. C'est bon, allez, encore une brique. Merci d'avoir utilisé le processus de déstabilisation et le service de fourniture d'alimentation de secours d'Attilan. Votre compte sera débité. Oui, allez, oh. Je vois des fils. Elle veut pas s'accrocher. Mais mince! Mais c'est pas vrai!
sert à quoi? Ça ouvre la porte. Ouais, il y avait un point de départ. Ouais, j'ai 33 secondes, super. Trouver le point de départ, hein. Il y a 3 courses et 2 blabla. On va aller faire les blabla, hein. Ok. On va aller faire les blabla d'abord. Ça va, il est pas loin lui. J'ai entendu parler d'un nouvel ami potentiel de la Tour de la Sagesse. C'est toi, on s'en fout. En tant que magistère, il est de mon devoir de m'assurer que les personnes en difficulté qui subissent par accident une terrible jeunesse sauvage soient guidées pendant le processus. On dit qu'un nu humain utilise ses aptitudes pour faire le mal. C'est donc une priorité. Habituellement, ça ne me dérangerait pas de recruter quelqu'un comme ça sans aide extérieure. Mais celui-ci est particulièrement difficile et mes recherches n'ont rien donné. Est-ce que je peux compter sur vous pour ce problème? Posez des questions autour de vous. Les gens savent ce dont nous avons besoin, même s'ils n'en sont pas conscients. Faut aller causer aux gens! Quand ils... S'ils sont là, hein? Ah, voilà. Quand on m'a dit que Chronopolis avait une ville flottante, il fallait que je vois ça! Mais une fois dessus, c'est comme n'importe quelle ville au sol. On n'a même pas l'impression qu'elle flotte, en fait. Quelle arnaque! Super. Ah, il est dans le coin, hein? Ah. Je me demande ce qui se serait passé si j'avais fait la périgenèse. Avec ma chance, j'aurais perdu une capacité, comme celle de pouvoir compter à l'envers. Ce qui n'est pas un problème, jusqu'à ce que votre enfant demande « Maman, pourquoi tu veux jamais jouer à cache-cache ?» Oh. C'est moi ou il y a des fois c'est vraiment nul. Apparemment, un nu humain rôdait près des portes du palais, se parlant à lui-même. Je n'étais pas assez prêt pour entendre. Flèche Noire sait comment il est arrivé à Tilan. Le Kangorei ne s'arrête même pas ici. Le Kangorei. C'est Kangorei. C'est toi? Non, c'est pas toi. C'est toi. Un inhumain maléfique est en liberté. J'ai vu un gars délirer sur le fait de réaliser le devoir sacré que Maximus n'a pas réussi à accomplir. C'était probablement un touriste. Qui sait où il a fini? Toi? Les cristaux terrigènes sont censés être gardés sous clé. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de nouveaux inhumains en liberté? Ah! Bonne question! Les habitants d'Aquilan connaissent tout ça. Sauf le propriétaire de la. Ouais, tais-toi! Vous avez des informations. Je le vois sur votre visage.
Certains se demandent si... Près du palais? Je vois. Hein? Avons-nous des raisons de penser qu'il manigance quelque chose? On dirait que notre ami est près de l'entrée du palais. Allons-y sans tarder. Bah... Vous devriez vous préparer au pire. J'ai vu des nus humains avec des capacités qui les rendent tout puissants, insufflant la vie à des objets. Avec mais pas les croire trop loin, hein. Banal, comme des sandwichs ou des piles de rechange, mais je n'en mettrai pas ma main à couper. Je le vois. Approchons-nous prudemment. Je suis le magistère Karnak de la Tour de la Sagesse. Arrêtez vos manigances et venez avec moi, pour que je vous aide à comprendre vos nouvelles capacités. Ouvre fou! Vous pensez que je vais tolérer cette insolence, hein? Mon règne de terreur commence maintenant. Je suis le Transformeur. Transformeur. C'est pire que je le pensais. Comme ça arrive bien souvent, ses nouveaux pouvoirs lui sont montés à la tête. En plus, je crois que le nom qu'il a choisi est déjà utilisé. Venez, poursuivons-le. Bon là, sur ce coup-là, c'est marrant. Devrais-je déménager? Le fait que son nom soit déjà utilisé. Transformeur. Oh mince! Hey, ça vous dit de vous entraîner avec moi? Vous ne me trouverez jamais! Mes pouvoirs de perception sont pratiquement inégalés. Vous ne pouvez pas me tromper. Mais voyons si mon assistant peut découvrir où vous êtes. Bah, ça bouge tout seul, hein. Hé! Hey, comment osez-vous? Je voulais juste vous donner l'illusion d'être en sécurité. Ouais, c'est ça. Mes pouvoirs sont sans limite. Oui, bah parle pas trop non plus. Suivez-le. Je suis pas contre hein, quand c'est bien fait. Mais là, c'est vraiment bouche-trou, là. C'est des quêtes bouche-trou, quoi. C'est hyper long, mais pourquoi? Cette fois-ci, je vais me taire. Comme ça, vous... Ah, mince. Bon, alors, cette fois, je ne me cacherai pas derrière mon silence, comme un certain roi trouillard. Il semble avoir pris une nouvelle forme. Vous semblez aimer... Bah, le banc. Oh, vous! Vous entendrez à nouveau parler du Transformeur. Mais en tout cas, vous ne le verrez pas la prochaine fois. On se transforme en câble en banc. La force de se battre. On devrait simplement le laisser s'épuiser tout seul. Y'a un chat. Y'a un chat. Alors pourquoi ne pas vous inscrire à un cours intensif d'initiation à l'art martial de Kung Fu dans votre centre communautaire local? Il va se déguiser en plante, là. Mes pouvoirs dépassent votre entendement, simple mortel. Une de ces choses n'est pas comme les autres. Je vous laisse découvrir laquelle. Vous allez connaître la douleur dans les mains du Transformeur. Ah, ça y est. Non! Je me suis transformé en... échec. Décevant, comme toujours. La confiance est une capacité aussi stupide que celle de se transformer en mobilier urbain. C'est une autre raison pour laquelle la transition vers l'inhumanité doit être suivie correctement. La Tour de la Sagesse vous remercie pour votre aide. Nous abandonnerons les frais d'instruction pour notre nouveau membre. Pour être franc, je ne saurais pas à qui envoyer la facture. À Monsieur T. Transformeur? J'en doute. Je suis désolé, mais c'est pas... pas bon, ça. J'ai connu des jeux Lego beaucoup plus passionnants dans le fait de rechercher des quêtes et tout ça. Allez, on va faire le d'autre là. Un bref message adressé à toutes les mères. Hey, ça vous dit de vous entraîner avec moi? C'est le faucon, ça. J'réfléchissais. Je dois trouver un moyen de rendre parfait mon entraînement au vol. Voler à travers des cerceaux, c'est une chose, mais ça prépare pas au combat aérien. J'ai besoin que quelqu'un soit dans le ciel et teste mes réflexes. Quelqu'un qui jouerait les méchants, en gros. On m'a dit que vous aviez abattu le vautour et le bouffon, donc je sais qu'au moins l'un d'entre vous ne serait pas contre un combat dans les nuages. Qu'en dites-vous? Vous pouvez m'aider?
Ah, le fait de avoir des boss ou des machins débloque. Bien, voyons si vous pouvez suivre. C'est pour ça qu'il y a des quêtes ou des tout ça qui que je n'arrive pas à voir. Hey, quoi, c'est dedans? C'est tout. Faut que je vole moins vite. Ça nous part. Je dirais que je vais devoir m'améliorer. Ah, tiens, prends ça dans les dents. Vous appelez ça un défi? Pas mal, mais j'ai pas encore perdu. Aïe, bonne technique. Oh. M'avez eu. Je reconnais ma défaite. Ouh. Heureusement, c'est juste un entraînement. C'était super. Mais de rien. Je suis impressionné par la vitesse à laquelle vous m'avez battu. Vous êtes doué dans les airs. Je ferais mieux de me mettre sérieusement au travail. Mais si vous souhaitez voler à nouveau, faites-moi signe. A plus. Intéressant. Je me demande si le livre de Vichanti en fait mention. Il y a un policier qui est venu me zigouiller, hein. Non, mais imaginez quand même. Bon. On va essayer de faire les quêtes. Les quêtes de l'aviation. De l'Air Force. Alors, déjà... Bah je peux lui non? Bah allez, c'est parti! Youhou! Voilà, en ligne droite, c'est très bien. Mais c'est pas... pour ma prochaine séance d'études magiques. Bon, ça va. C'est quand même très catastrophique, hein. Bon, il reste deux courses. Est-ce que je peux les faire? Une moto. Une moto en plein ciel. Heureusement que j'ai réussi à la récupérer, la moto. Ah, maintenant que j'ai la moto, je suis peinard. Ouais. Ouais, enfin, c'est pas gagné non plus, là.
Ouais. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Alors... Oh non! Oh non, mais alors, c'est d'un ridicule! Mais ridicule! Sinon, à part ça, la vie est belle. Hein. S'il n'y avait pas ces nullités là. Elle est là, ma moto, elle est revenue, elle. Oh la vacherie! Oh la vacherie! Mais c'est une vacherie sans nom. Vous allez commencer à comprendre que ce jeu, je ne peux plus... C'est bien parce qu'il y a un platine. Hein. Si le livre de Vichanti en fait mention. Alors ça va être quoi là? On vole ou on fait de la moto? J'ai pas quelqu'un qui court vite là-dedans? Moi je l'aime bien elle. Ma famille compte sur moi. Je peux le faire. C'est surtout qu'elle vole. Bon, allez, encore une petite dizaine de minutes. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose de... qui s'est ouvert, un boss? Pas vraiment. En tout cas, tout là-haut, c'est fait. Normalement, on va voir. Là, tout ça, c'est fait. Bon, il y a un chat. Bon, bah, on va faire ici. Allez. Faisons là-bas. Donc on sera à Alitala Tula Tuli. Le moteur de vol stationnaire est HS.
Je vais avoir besoin d'aide pour remettre ce truc dans les airs. Alors, Iron Man. Cela m'est inconnu. Est-ce que ça vient du monde des humains ? Bravo ! T'as étudié l'ingénierie Kree sur ta planète ou quoi ? Bien. Dès qu'elle aura la tête sur les épaules, elle pourra rejoindre ses potes dans le ciel. Hop, encore du Iron Man. Hop, on fait en train de faire. Oh, elle est en forme de poule. Quelques libertés artistiques avec la nouvelle tête. Espérons qu'elle ne se déplume pas pour ça. Ok, c'est l'heure du décollage. Bip, bop, bip. Et c'est parti. Elle part pas comme ça, non? Ah, il la repositionne. Ah. Merci pour le coup de main. On fait une équipe impeccable. Qu'est-ce que c'est bien foutu. Voire mieux, j'ai pas de quoi te payer. Mais tu peux prendre ce caillou scintillant qui est tombé de la statue si tu veux. Il doit bien avoir de la valeur. Un spécimen intéressant. Encore un truc de fée. Ah bon, on va faire celui-là, il est à côté. Oh, il y a un truc en haut là. Ah, un quiz. Voici une question. Quelle entité omnisciente a été immortalisée dans le parcours de golf? L'intelligence suprême. Et c'est la bonne réponse. Comment s'appelle le compagnon de Kang, le conquérant? C'est Ravonna. Bien joué. Le sport en Égypte antique nommé Bouzball est joué à l'aide de quel animal? De scarabée. Vous avez terminé le quiz. Nos félicitations. Bon, bah voilà. Ne vous arrêtez pas maintenant. Il y a d'autres bornes du chrono quiz de Chronopolis à défier. Ouais, mais il faudrait me dire où. Près de ton emplacement. Tu peux aller jeter un œil. Il faudrait dire à quel endroit ils sont les bornes. J'ai pas à chercher. Et là. Bienvenue au Bonjour. Centre de recherche avancée d'Allah. Vous êtes là pour m'assister dans mon expérience? Je suis sur le point de faire une découverte capitale. Aidez-moi à terminer mon expérience sur le cube cosmique et à vous la gloire. Il me manque juste quelques ingrédients. De l'extrait végétal de Kotati, du gaz halagène et des produits chimiques du genre inconnu mais totalement sûr. Allez, ventriloque. Ah, faut tout péter. Alors. Hop. De toute façon, il n'y a pas 36 milliards de choses à faire. Faut bloquer ça là-dedans. Ah. 6 millions d'années d'histoire Kree tordue. Ok, c'est bon pour les produits chimiques. Il me faut encore du gaz halagène et du gaz végétal de Kotati. Voilà. Vous avez ajouté l'extrait végétal? Ne vous plantez pas, hein. Voilà, maintenant il faut mettre le reste. Très et bien, l'autre. On a tout. Vu que vous avez fait l'essentiel du travail, je vous laisse l'honneur d'appuyer sur le bouton là-bas. Ça ne risque rien, rien du tout. Oh. Photo. Allez Thor, prends un petit peu de pouvoir. Voilà, il électrocute tout le monde en passant.
pourrait servir dans cette situation. Voilà. Oh, zut ! Ma quête du cube cosmique et du pouvoir absolu... de la connaissance. Ça, c'est fait. Alors, je suis où ? Bon, on va aller faire celui-là. Ah, on les enchaîne, hein. Bonjour, soldat. Tu veux essayer mon programme d'entraînement anti-aérien ? Oui ! Si tu arrives à m'impressionner, je t'offrirai peut-être même une récompense. Ouais, descends-les ! Ça, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein. Encore deux. C'est super. Et je n'ai pas levé le petit doigt. La seule personne que j'ai vu tirer aussi bien, c'était moi. D'accord. Bah on y va, on continue. Allez hop. Elle me gratte l'œil. Un groupe de maniaques en chaise volante m'a rasé le crâne tout à l'heure. Ils ont failli. Bienvenue au meilleur et unique mini-golf d'Ala. Pour gagner notre fabuleux prix, il suffit de mettre une balle dans chaque trou. Le tableau vous permet de consulter votre score. Bonne chance. Je me demande si ce cri chercheur a terminé son expérience. J'ai envie d'évoluer, moi. Un groupe de maniaques en chaise volante m'a rasé le crâne tout à l'heure. Ils ont failli me renverser. Ah! Ouais, j'avais pas vu. Je me demande de quoi retournait cette Rix devant le palais. Heureusement que personne n'a parlé à moi. Il s'y serait rendu en un éclair. Et la balle passe sous le nez des vaisseaux de patrouille. Si c'était une vraie bataille spatiale, Cree, les pilotes seraient exilés pour une telle erreur. Mais ce n'est pas le cas. Donc, alors, et là. Y'a un truc à faire ? Ce n'est pas facile d'obliger l'intelligence suprême à manger ses légumes blancs. Mais comme on dit, une balle de golf chaque matin éloigne le médecin. Normalement, c'est des pommes. Ce designer Maboul râlait à propos de quelque chose tout à l'heure. En général, je le... Ici votre glorieuse... Peut-être que tu l'as déjà vu, mais il y a du grabuge de ton côté. J'aime bien me battre, mais seulement quand je gagne. Je me demande de quoi retournait cette Rix devant le palais. Heureusement que personne ne l'a trouvé à son mari. Il s'y serait rendu en un éclair. Et boum! Vos talents incroyables ont fait exploser une planète toutes ses dans la poche. Bien joué. Venez donc récupérer votre prix. N'hésitez pas à revenir à l'occasion pour nous montrer... Mini-jeu! Ouais! J'ai débloqué... Une moto! Waouh, super! Bon. Maintenant, elle ne me sert plus à rien, j'en ai déjà une. Bon, on va encore en faire un petit peu, allez! Je regarde s'il n'y a pas un boss là qui est apparu quelque part là. Première vue, non. Ça va bien. Allez, hop, au suivant. C'est là-bas. C'est une catastrophe. Pourriez-vous essayer d'utiliser cette machine infernale ? Aidez-moi à préparer les mannequins et je vous récompenserai. Les mannequins doivent absolument porter les tenues des affiches, sinon ce sera un vrai désastre. Allez ! Donc, coq, noir, violet. Donc le coq, c'est bon. Ah.
ressemble à un. Superbe, vous avez l'œil d'un artiste. N'oubliez pas, les tenues des mannequins doivent correspondre aux affiches. Alors, après, c'est gris. Alors, noir, vous n'êtes pas noir, violet, gris. Ici. Elle dit qu'on fait les meilleurs pantalons, résistants et confortables. Elle nous recommanderait à ses amis, si elle en avait. Quand même, c'est compliqué. Hein. Magnifique. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ensuite, c'est couronne gris-noir. Couronne gris-noir. Hein. Il me donnait le premier à chaque fois. Oh, c'est beau à pleurer. À pleurer. Nous sommes célèbres dans toute la galaxie. Ma boutique ne propose que la crème de la crème. Merci en matière de mode. Je ne sais pas ce que j'aurais pu s'en venir. Il ne reste plus qu'à attendre. Me voilà, bande de vénards. Alors, voyons voir, voyons voir. Oui, magnifique, splendide, fabuleux. Je prends tout. Et je paie d'avance, mon chou, bien sûr. Tenez. Livrez tout ça à l'adresse habituelle. Adieu, mon chou. C'était fabuleux. L'ouverture est un succès fracassant. Tenez, une dernière. Prenez cette brique dorée en guise de paiement pour votre aide. Je pense que d'autres ne vont pas tarder à affluer. Et la brique, j'aurais pris pour qu'il arrive. Hein. Il faut que je m'y mette tout de suite. Ah, Black Widow. C'est au-dessus. Ces annonces de Kang me tapent sur les nerfs. Personne ne leur a encore déclaré la guerre. Ah, c'est là. Bon, ben, je récupère et je m'arrête là. Je me demande si ce je suis sûr que ça me sera Kang doit sûrement. Bon, allez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Tous les citoyens doivent savoir que les emplacements suivants un monde complet, cool, voilà, plus d'autres choses, c'est génial. Là, est-ce qu'il y a un boss peut-être? J'en sais rien. Une chose est sûre, c'est qu'il me reste plus grand chose à faire. Et ça, c'est le bien. Alors, j'ai deux. Lui, donc. Deux. Trois puzzles. Et deux blabla. Bon. Bah, ça sera pour la prochaine fois. Hein. Deux puzzles et trois blabla. Puis ensuite, bah, on attaque l'Empire Hydra ou je fais la tour. Bah, je crois que la tour est faite en plus. Non, il en reste un là. Mais il reste plus grand chose. Après, il reste les courses. Waouh. C'est merveilleux. C'est merveilleux tout ça. Bah, et ben, je ferai donc. Alors, excusez-moi. Pardon. Et en plus, là, il n'y a pas beaucoup. J'ai l'impression que la prochaine épisode, il va y avoir un petit nettoyage. Oui. Alors, je vais déjà aller chercher pour finir les personnages récoltés. Je sens qu'il y a des diamants quelque part dans le coin. Ah. Oui, il y en a eu beaucoup des personnages.
Je me demande si ce cri... Dans l'espace, non. Personne n'entendra aboyer. Oui, ça c'est marrant ça par contre. Bah il reste plus grand chose hein. Si je regarde la première ligne, il y en a un. J'en vois un. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 8. Ouh, il n'y en a plus beaucoup. Et puis hop. Et puis ça. Ouh, mais c'est bien. C'est bien. Et j'en suis à combien? 96.3. Oh là là, ça avance, ça avance. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ah, il me reste 35 véhicules et personnages à avoir. 13 briques dorées. Et là, les amis, je suis vraiment, mais alors vraiment à la fin. 13 briques dorées. Et j'ai encore quelques petites missions à faire. C'est faisable. Ça peut être... Oula, oulala, oulala. La phase monde ouvert va bientôt se terminer. Et il me restera les quêtes pour avoir les trophées. Ah, les petites choses à faire pour avoir les trophées. Oh, c'est merveilleux. Bon, et ben ça sera pour la prochaine fois. Allez. Je pense qu'il y aura peut-être encore 2, 3, peut-être 4 épisodes maximum avant d'arriver à la fin. On s'approche. Mais alors, on s'approche vraiment. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, il y a le pouce bleu. Vous pouvez me laisser un message en commentaire. Je vous répondrai. Vous avez découvert ma chaîne et vous voulez voir si je vais aller jusqu'au bout, eh bien, abonnez-vous. Et il y a la cloche de notification pour être sûr de ne rien louper. Allez, quant à moi, je vous dis à très vite, à bientôt. Pour la suite de mes aventures sur Lego Super Marvel Heroes 2. Salut, salut tout le monde! Et encore merci d'être venu! Salut! Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne! Vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y! N'aie pas peur, clique!